Le nouveau PDG d'Antenne 2 et de FR3 avait été nommé en janvier 1988 à la tête de la SFP sous le gouvernement de Jacques Chirac. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donc choisi un professionnel de l'audiovisuel. La SFP fabrique des émissions et des programmes de télévision, mais aussi un homme d'ouverture, proche de Jacques Chaban-Delmas. Essai de portrait, Louis Carzou. À 47 ans, Philippe Guillaume était le plus jeune candidat à la présidence commune d'Antenne 2 FR3. Ancien élève de Sciences Po, économiste de formation, le premier contact de Philippe Guillaume avec les médias a lieu à France Inter en 1970, où il assure les chroniques économiques. Dès lors, plus question pour lui de quitter le monde de la communication. En 1974, il entre à la Sofirad avant de présider lui-même aux destinées de Téléfrance Internationale. Nommé en janvier 88 par la CNCL, il est resté jusqu'à ce jour à la tête de la SFP. Sur le plan politique, cet ancien conseiller de Jacques Chaban-Delmas a souvent été présenté comme un homme d'ouverture. Voilà, merci. Je crois que ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire de gestion d'entreprise sur des objectifs qui ont été clairement posés par le législateur après des travaux préparatoires que vous avez sûrement lus et qui sont très riches. Il s'agit de savoir si on veut que le secteur public ne fasse pas la course à l'audimat, mais la course à l'audience. Il s'agit de savoir si on veut que les chaînes publiques soient reconnues à parité avec les grandes chaînes publiques européennes que sont la BBC, la RAI, la RD, la ZDF. Le nouvel homme fort de l'audiovisuel public cultive enfin la passion de l'histoire. Il est notamment l'auteur d'un ouvrage consacré à Mirabeau.